Welcome to GSL. Troisième BO5 de la soirée, bien sûr. Trap contre Life. Ce sera notre dernier BO5. Et on le disait en début, on l'a dit avant la pause, c'est probablement en termes de level le BO5 le plus serré et le plus élevé, surtout en termes de niveau. Ginner Greenwings Trap contre KT Life. Pour l'un ou l'autre de ces deux joueurs, une élimination à ce stade, ce serait vécu comme une sacrée contre-performance, je pense. Ouais, clairement. Clairement, c'est le mot. Ça va être très serré pendant qu'on a ici les tweets. On n'est pas bien là. Bah si, on a l'air bien, Strotrick. On a l'air très bien. Bah donc, attends. C'est... Ah, je pensais que c'était le bout du lit. Non, en fait, non. Mais c'est moi la, aussi, la petite table. De... Attends, mais il est en extérieur. Petite table de jardin, c'est ça? Pieds en fait, nus, tranquille avec le rétroprojecteur. T'es moyennement bien. Si ta table, c'était un petit pouf, vraiment bien, là, tu serais parfait. Comment ça? Va chercher un pouf et refais un tweet. Hein. C'est ça. C'est pas sérieux, mec. Et là, on se dira, t'es très bien. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, Life vs Trap, les amis, sûrement l'un des rencontres les plus chaudes. Ça ferait bizarre que Life ne soit pas dans la prochaine GSL, de la même manière que ce serait assez bizarre qu'il n'y ait pas de Trap, même si Life, ce serait pire quand même, je trouve. Ouais, non, non, c'est sûr. Tout est du côté de Life, logiquement, en termes de résultats potentiels. Il devrait être le meilleur sur ce coup-là. Il est là. Voilà. Tu regardes le truc, c'est écrit que c'est le champion quand même de la première saison et ensuite Round of 16 pour la deuxième saison. Un peu moins bien quand même, mais voilà, on a un régulier des résultats de premier plan pour Life, et donc éliminé au premier match juste au stade du Coda, ce serait vu comme un sacré énervement. Ouais, Life qui se lève, qui dit non mais attends, j'ai déjà gagné, non next. Non il se lève pour aller faire pipi, normal, il devait être en train de taper à l'admin, genre est-ce que je peux aller pisser s'il te plaît. Le mec a dû lui dire ok, mets-toi bien. Et en façon à voir son adversaire, Trap c'est la micro de l'oracle à la perfection. À voir, ceci étant... Meilleur pilote d'oracle de toute l'histoire. Ouais. De la protosserie. Et donc, évidemment, Dachotesk, on vous rappelle que l'oracle n'existe pas. Sur Wing of Liberty, il est là, le bon Trap. Il est là. Ah bah lui, il s'est arrêté à ce stade-là, la saison dernière, puisqu'il est allé en Coda, au Round of 48, donc c'est celui où il est là. Ça sent pas bon, alors. Ouais, donc, et puis, première saison, il s'était pas qualifié. Donc c'est sûr, moins de résultats. Pourquoi on parle de Trap comme d'un joueur de premier plan? Parce qu'on sait de quoi il est capable. On parle d'un mec qui a quand même gagné une MLG. Alors, pas la MLG la plus populaire de tous les temps, mais il a quand même gagné une MLG. Je crois que c'était Anaheim en 2013. Joueur assez régulier envoyé en Pro League pour Ginner Greenwings. Et très bon résultat fin 2014 pour Trap, avec notamment sa fin d'année un peu... En pleine bourre, avec notamment, je crois que c'était une demi-finale au Red Bull Battlegrounds Washington, où il y avait vraiment très très gros niveau. Ouais. Donc un joueur dont on sait qu'il a le potentiel de faire le boulot. C'est ça. Donc à voir maintenant à quel niveau est-ce qu'il est ce soir, est-ce qu'il est vraiment chaud, est-ce qu'il l'est moins. Vous le voyez, il y a trois matchs, Trap à Veto Terraform, du côté de chez Life, on a Veto Vanny Research Station, on va donc jouer sur Iron Fortress, Echo, Expedition Lost, Cactus Valley, et on finira, si le besoin s'en fait, par Coda. Et ouais, exactement. Donc un map pool intéressant, parce que d'entrée, on se retrouve sur Iron Fortress pour Trap. Très mauvaise map s'il en est pour Protoss en règle générale. Beaucoup de difficultés à prendre la B3, beaucoup d'ouvertures possibles, pas de rampe sur la B2, donc une agression non-stop qui pourrait arriver de la part de Life, qui, vous le savez, est quand même pas le dernier des nazes quand il s'agit de faire des runs by the Zergling et d'être dans la face du joueur Protoss. Moi, je dis trêve de bavardage, on va pouvoir rentrer dans la game. D'ici quelques instants, les deux joueurs sont concentrés et sont prêts à se foutre sur la gueule. Trap Life, Iron Fortress, première carte. Et donc, c'est vous, pour ceux qui vous posez la question, si vous venez de vous rejoindre, c'est le Coda, la game du passage, le rite de passage pour savoir qui a le droit de rentrer en Codes dans le top 32 des joueurs de la GSL. Et vous noterez que c'est Iron Fortress LE, donc Later Edition, ce qui signifie qu'il n'y a pas les petites choses qu'avait mis la GSL justement pour faciliter un peu le jeu Protoss. Donc, par exemple, ici. On avait un petit élément là, ici aussi ils avaient mis un rocher qui rendait les choses un peu plus, voilà. Et donc complexe. Du coup c'était plus tofu, ce n'est pas le cas. Donc attention, en bas à gauche de la map justement, le joueur Protoss, il est là, la difficulté pour lui, on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Il est en Protoss bleu, il s'agit de Trap. It's a trap. 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 Qui a changé de lunettes. Et qui a des fangirls. Ah, excellent, c'est mignon. Oh, elles sont toutes mignonnes, elles bougent pas comme ça. Je pousse la main de gauche à droite. Salut, salut, salut. En haut à gauche, on verra si lui aussi, il en a des fangirls. En tout cas, de l'argent sur son compte en banque, il en a. Ouais. Il n'est pas le dernier quand et il s'agit de gagner des tournois. Moi, je suis fan. Il a un fan.
en la personne de Anos. C'est live. Live. J'adore live. Ce joueur. Katie Rolster. Ah, ce regard qui pue l'intelligence, là. Ouais. Magnifique. Qui pue l'intelligence. Ouais, ah, ça, ouais. C'est horrible. Trop d'intelligence. Ça sointe l'intelligence. C'est ça. Allez, c'est parti, les amis. On a envoyé le chrono boost tranquillement sur le Nexus. Petit pylône qui a été posé devant. Ce qui peut clairement sous-entendre un départ Forge. C'est ce qu'on va voir comme un départ Nexus First aussi, les amis. Il ne faut pas l'oublier. Et est-ce qu'on partirait pas sur le Nexus First direct là, de la part de Trapounet là ? Ouais, c'est possible parce qu'on voit pas de probe hein, qui descend au niveau de ce pylône, donc pas de forge. Et c'est Nexus 15 de mémoire, on est à 15 alors que la forge est à 14, je crois. C'est peut-être un Nexus 16 au final. Non, c'est un Nexus 15. Et je crois que tu peux faire aussi ou Gateway 16. 13. Nexus 16. Et ouais, Nexus 16 au final. Nexus 16 ici pour Trap, joli. Sans scooter. Face à la Hatch First de Life, donc belle prise de décision de la part de Trap. Ouais. Puis le petit coup là, t'as vu, il a mis son Ops ici, je pense que c'était pour aller voir le... Oh, ça va être triple Hatch avant de pool, ça. Oh là là, et il a bossé son truc, c'est totalement timé en fait. À 2.31, il a mis un petit coup sa probe ici, en effet, l'Overlord était là. Ouais. Donc si Life avait été ici, là il est quand même presque persuadé, si on peut pas dire ça comme ça, mais que Life n'est pas en bas à droite. C'est ça. Non, mais je pense que là, dans sa tête, c'est complètement esquivé. Et en tout cas, il prend une décision... comment dire, avec les informations nécessaires pour aller scouter en haut à gauche, et ça tombe bien parce qu'il va voir son adversaire en premier slot et qu'en plus c'est un triple H avant pool. On a fait Nexus Forge pour Trap. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité d'aller Cannon Rush cette histoire là? Oh là 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 là, Life excellent. Triple H avant pool quand même pour le joueur KT. Non mais c'est bien joué en plus parce qu'en face on est quand même parti Nexus First à la base. Hein. Et là il a rajouté sa gateway, donc le problème c'est que si jamais il veut envoyer son photo rush, il le peut. Mais ça veut dire qu'il coupera soit l'arrivée de ses gaz, soit l'arrivée du corps. J'ai l'impression qu'il va nous canonner cette histoire là. Hein. La B3 ça me semble bien, ouais. Ouais. En plus c'est pas vu. Ouais non c'est pas vu, et Life qui s'en doute pas, Life qui n'a pas d'unité dehors. Bien sûr, pas de Zergling puisque la spawning pool n'est pas terminée. On est parti très très gourmand de la part de chez KT Life. Et le drone qui descendait, je me demandais s'il allait checker un peu ce qui se passe sur la B3. Il ne check pas du tout et il est en train de laisser complètement ses deux canons se terminer. Ça, c'est une hatch complètement dead. Hein. Ouais, et c'est intéressant parce qu'il aurait pu envoyer son corps avant. Et on peut voir que non. Il a vraiment privilégié, vous voyez, il se rajoute même une photon ici. Donc là, il privilégie vraiment le retard de détruire cette B3, quitte à prendre un peu de retard technologique. It's the price to pay. Du côté de chez Life, on va envoyer ses premiers Zerglings qui sont là. On vient de se rendre compte que du coup, on est attaqué par des photons. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Parce qu'il ne peut plus l'annuler, ça, comme vous pouvez le voir. Vraiment bien timé de la part de Trap. Et ouais, et ça c'est une hatch complètement perdue, complètement gratuite, obligée de réexpandre à un autre endroit pour Life. On est blurti reprendre la base au sud. On n'a toujours pas de gaz, pas de technologie particulière. Trap qui fait un très très bon premier pas vers la victoire dans cette partie, ou en tout cas pour une situation très, très favorable hein, aux joueurs de chez Giner. Ça lui a pas coûté excessivement cher et ça met Life qui du coup avait quand même bien skippé tout ce qui était technologie et unité. En partant 3 hatch avant pool, bah, ça remet tout ça à zéro, tout simplement. L'avantage de cet opening est complètement perdu pour Life. Clairement. Ce qui est sympa, par contre, derrière, c'est qu'il n'a pas surréagi par rapport à son au photon ici. Il n'a pas perdu de temps à faire des Zerglings ou quoi. Les Zerglings, il y en a deux. Il y a deux Queens. Et derrière, on ne fait que droner. Donc, c'est bien joué, parce que je pense que c'est quand même pas le pire des cas de figure, en fait, pour Life, qui a pris quand même une bonne réaction et qui a fait une bonne lecture de jeu. Le banning nest, mec. Alors ça, tadam, s'il nous fait péter la contre-attaque à coup de banling, mec, ça fait combien de temps que j'ai pas vu un link banling contre Protoss? C'est vrai que là, on vient d'investir dans la Stargate, donc Stargate plus Oracle, ça fait 300 de gaz, des centries, il n'y en aura pas des masses. Hein. Ouais. Oh, j'aime bien ça de la part de Life. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu prends ma hatch, mais moi je prends ta game, bâtard. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Ah non, ça peut aller très vite. Ça peut aller très 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 vite ici. Quelques Zerglings qui sont scoutés par ce Stalker. Le reste qui passe sur le flanc ouest. Est-ce que Trap sans venir l'agression? Deuxième sentry en production, mais le Warp Gate n'est pas terminé. Ce Stalker n'a pas vu les Zerglings. C'est très bien joué de la part de Life qui les a planqués. Ici, c'est la probe qui va se faire intercepter. Peut-être. Ah, j'ai l'impression qu'il voulait de l'information. Il a vu Scissorling, il a peur. Il se dit quand même, c'est bizarre. Que foutait ces Scissorling ici alors que tu viens de scouter Mastergate et que tu sais très bien que je vais pas t'attaquer au sol. Je pense que là, Trap quand même, il doute un peu.
Oh, là là. Oh putain, excuse-moi, et pense-toi, les Zerglings qui viennent de rentrer, on a envoyé le Bata Banning. Oh, c'est déjà fini, hein. Il a raté son force field trap. Les Banning, je veux dire. Ah, c'est chaud là. Que de la merde, putain. C'est pas grave, c'est pas grave, mais laisse c'est tomber. Pas grave. Là, le problème, c'est que bah, t'avais pas le droit de rater ce force field en fait, tout simplement. Ah, c'est passé. Mais je suis sûr qu'il s'en doutait, hein. Vraiment, c'est que j'étais trop sur mon explication. Je suis sûr qu'à un moment, il s'est posé la question, trap. But it's over. Oh, il rate encore son force field. Oh là là, y'a rien qui va. Et il avait pris une belle option, moi je trouve, trap, hein, en ouvrant avec ce Cannon Rush derrière le Nexus First, ouais, qui avait fait mouche. Là, il file en mode Jason Derulo. Oh non. It's too late, papy. Ah, c'est ouais. Trop tard. Tu peux pas tester. Oh, il y a 3 oracles quand même. Hein. Ouais, mais il y a aussi 30 probes contre 35 drones. Il y a 3 oracles qui n'attaquent pas les Zerglings. Bah, ils ont plus d'énergie, en fait. Ouais, ça a plus d'énergie. Il n'y a plus que celui-là qui peut taper. Et là, on prod du banning dans la base, hein, tout simplement. GG, Life qui prend la première game. Easy quoi. Bah, et là mec, j'ai 3 pins GSL, tu crois que je vais m'arrêter en... Bah non, en mais Godard, clairement, non, mais de toute façon c'est Life. Moi je suis très content pour lui qu'il l'a outplay. Il est trop fonce, il est trop bon ce joueur. Il est trop dans le turf. Yata qui dit, attends, j'avais oublié de prendre mon clavier, hein, comme si Life... voilà. Ah oui, j'avais oublié de le brancher, excuse-moi. Du coup c'est pour ça que j'ai fait Link Ban Link, parce que... j'avais que la souris, mec, c'était galère. Non, c'est propre. La tête de trap, d'accord. Je vais me cacher derrière moi. Tu la joues comme ça, personne ne fait ça, mais toi tu le fais, ça passe, d'accord. Surtout qu'on a vu à quel point il n'était pas du tout... il n'avait pas du tout anticipé hein, ce banning, ce link banning. Ouais. Parce que le premier force field, il est raté, quoi. Les Zerglings sont déjà en train de rentrer dans la B2 que le premier force field est envoyé. Après, c'était bien joué aussi de la part de Life parce qu'il était en train en fait, d'attraper un stalker en haut. Et donc, du coup, il n'était pas dessus, quoi. Il était concentré sur son unité en haut et il s'est fait avoir en bas. Ah oui, bien c'est joué. Vrai. YKRZ qui disait à chaque fois qu'il y aura une victoire Zerg, je balancerai 2 euros. Ah, excellent. Donc, ah bah là, tu viens d'envoyer 6 euros, YKRZ. Parce que là, c'est bon pour Life. Ah là là, Life qui pour l'instant domine le débat, il n'a pas eu à forcer son talent, il a bien choisi, il a été piqué au vif de perdre sa troisième match et il a dit attends, écoute, moi je vais te faire un link banning et on va voir ce que tu donneras. Ouais. Les Zerglings n'ont même pas eu besoin de l'assistance des banlings d'ailleurs pour rentrer dans la main parce que Trap était un petit peu en décalage, trop occupé à micro son oracle autour du stalker pour éviter la mort de celui-ci. C'est ça. Et pour l'instant ça fait 1-0. C'est marrant, hein, mais bon, après, c'est de la psychologie de comptoir. Mais moi, là, quand je regarde deux joueurs, je vous promets, j'en vois un à gauche, mais qui a une connaissance du jeu qui est limite proche de l'absolu et tout, qui commence à aller trop loin. Et à droite, je vois vraiment un mec qui, on sait tous qu'il joue super bien, qu'il a un gros niveau de jeu, mais qui, à côté de la puissance de Life, n'est quasiment rien. C'est, voilà, c'est un gold, c'est un platine qui va essayer de se démener. Après, c'est un bon platine, quoi. C'est incroyable, ouais. C'est clairement. Un bon platine, mais c'est un platine. Mais à côté de Life, ça ne reste quand même que ça. Et c'est ça qui est super impressionnant. Mais on verra en tout cas, en haut à gauche de la map, bien sûr, je présentais mon chocho. Il est en zergue rouge. Il fait partie de la team KT Rollster. C'est un 3 pins, hein, vous avez pu voir. Vraiment, c'est ce gosse. Il est jeune en plus, hein, donc maintenant il va avoir 18 ou 19 ans, parce que ça fait 5 ans qu'on dit qu'il a 16 et 17 ans quand même, le mec, tu sais, il vieillit jamais. Non, non, il vieillit pas, c'est comme dans South Park, le mec, il est toujours au CP, tu sais. C'est ça, il s'agit de Life. Très sérieux. D'ailleurs, Trap, ça va être un peu son Kenny dans South Park. C'est ça. Chacune des games, il va mourir. Ah, ça monte de la meuf hein, aujourd'hui à la GSL. On va faire envoyer, on se planque avec son téléphone. En bas à droite, pour la Curie Jean et Ergen Wings, c'est Trap. Et aujourd'hui, il a une montagne à gravir. Parce ouais. que Life, voilà, triple champion GSL. Il n'a rien gagné à la saison 2 saison 2 GSL Star League. Hein. Il a pas fait de finale. Non. Il n'a pas gagné. Et c'est rare pour un mec du niveau de Life. Donc il a fort à faire ici pour se mettre bien dans cette saison 3. Mm. Et pour renouer avec la victoire. Et ça va être parti. Mizunoki rentre bien. Le petit top, la petite probe qui va arriver tranquillement. Qui va scouter. Ce coup-ci, on est sur un départ gateway. Il a bien raison, c'est vrai que la map est quand même différente. Il y a très peu de chances en plus qu'il y ait du triple H avant poule.
Et puis, bon, bah voilà, il l'a fait la game précédente. Il s'est pris un gros banning bust derrière. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire, franchement, autant repartir sur à peu près la même chose, mais en un peu moins greedy. C'est ce qu'il est en train de faire. Gateway into Nexus, c'est propre. Il pourra faire des unités assez rapidement. Et par contre, triple H avant poule. Hein. Là, life. Life deux fois de suite. Hein. Le triple H avant poule. Ouais. Maximiser l'économie en début de game. Et on le dit aussi, hein, généralement aussi une belle option pour défendre toutes les agressions sur deux bases, hein, parce que mine de rien, t'as quand même 3 hatch, t'as ouais. triple queen, t'en as de la larve. Hein. De la larve et de l'économie pour produire les unités nécessaires, tu en as. Est-ce qu'il va retenter le cannon rush encore? Il a balancé une forge. Hein. Ah ouais. Et il y a life à chaque fois qui dit, mec, je m'en bats les couilles. Il scoute pas. Il a pas de vision autour de sa troisième base. Là, il voit une gate chrono boostée. La forge, elle est dans la main. Ce qui m'embête, Poulet, c'est que ça touche exactement au même timing que tout à l'heure en un peu pire. C'est-à-dire que là, il a même pas posé ses assimilateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais il pose ses photons, ce qu'il va faire derrière, il aura les mêmes problématiques qu'à la game précédente. Il aura pas le warp gate s'il se prend un contre. Il aura pas d'unité de production. C'est vrai. Et le corps va terminer très tard. Donc vraiment, j'ai... Moi, ça m'embête un peu qu'il le fasse. J'aurais préféré qu'il continue son plan de jeu, tout simplement parce que ça n'a pas réussi une fois. Je ne sais pas pourquoi ça marcherait ici, mais bon, laissons. Et ici, du coup, la défense de Life, elle est décidée. Ce sera à coup de Spinecrawler. En tout cas, la première est produite. Il perd un drone, ça, c'est dommage. Ici, il va falloir cancel. Bon, cette B3, elle est dead. Cette B3, elle est dead. Comment tu te remets, Life? Tu retentes le Banning Bust? Qu'est-ce que tu... Non, non, il commit sur la défense. Il repose ouais, sa spine. Là, il veut la garder, ouais. Ouais, parce qu'il fait mass zergling. Ouais, il le faisait pas tout à l'heure. C'est intéressant, j'aurais pensé qu'il aurait commencé peut-être à taper celle-là en attendant, mais non, il l'a pas fait. Est-ce qu'il va réussir à la sauver? Alors là, vraiment, la question. Oh là 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 là, l'aiguille au rampant qui va sauter. Mais il a du temps, hein, c'est ça qui est ouf. Ah, c'est dur de dire. Ah, il ramène sa queen. Allez, partons du principe. Ah non, il va pas le faire. Ouais, ça me paraît compliqué quand même de gérer la défense de cette hatch. On repose une spinecrawler, il y a deux queens maintenant, un overlord qui prend des coups, le canon du coup qui a perdu un petit peu de DPS sur la hatch, les zerglings qui se regroupent, les queens qui se mettent en position. Mais ici, toujours pas d'income de gaz pour le joueur de chez KT Rollster, donc il n'y aura pas de transition possible, speedlink, banlink, comme il nous l'a montré tout à l'heure. Ouais. Et la troisième base va tomber. Bon, là, c'est une bonne OP pour Trap. Carrément, ouais. Là, c'est vraiment une bonne OP, hein, parce que contrairement à tout à l'heure, Life n'avait fait que des drones. Là, quand même, il vient d'utiliser beaucoup de zerglings qui vont lui servir à que dalle. Et en plus, qui vont tous mourir pour se défaire de cette fucking photon, parce qu'au final, il n'a pas 50 slots où il peut reposer la B3. Hein. Si jamais tu vas la poser ici, t'es quand même beaucoup moins bien placé, t'as pas cet effet de rocher ici que tu peux casser. Oh, il repousse hatch, direct. Direct bien joué, direct au même endroit. Ouais, bien joué, Trap. Ok, Trap qui prend un avantage ici, économique. 36 probes à 28 drones. 5 drones supplémentaires envoyés par Life qui veut se remettre au niveau le plus rapidement possible. Warp Gate est plus en attaque. Ambiancé, bien sûr, pour Trap. Et du coup, peut-être transition vers encore plus d'agression sous forme de gate. Avec le plus 1, il peut commit sur le fait que Life va perdre beaucoup de temps à essayer de se remettre bien économiquement et aura peut-être pas les unités nécessaires pour défendre une agression. Ouais, c'est vrai que ça pourrait se tenter. Tiens, bah regarde, un petit complexe robot ici qui pourrait totalement aller dans cette direction, les amis. Hein. Un petit set gate des familles, ça pourrait se faire easy peasy. Il a qu'à rajouter les gateways. On verra ce qu'il va créer avec son complexe robot. Mais si c'est Imo First, les amis, ça sentira quand même l'agression. À très forte dose, et regardez les premières sentries aussi qui sont en train d'être pop. Je me demande si là, c'est pas le plan de jeu de Trap d'aller mettre de la grosse agression. Ouais, la robotique, deux gates supplémentaires ici, les deux zélotes encore à corps. Il faut micro la queen pour Life. Voilà, sur le creep ça va être fait. Le surround qui peut être géré, les deux zélotes pourront pas générer énormément de dégâts. Trap qui donne un petit peu d'unité, c'est dommage ici pour le joueur Protoss. Ouais. Commence à ambiancer beaucoup de gates et la robotique derrière. Est-ce qu'on transitionne pas sur un build à base? Oh, il y a Warp prise en premier temps. Okay. Warp prise dans un premier temps, ça peut toujours dire. Ouais. Ça peut toujours vouloir dire qu'on va enchaîner sur un set gate robot, en tout cas avec des immortels, une agression immortelle sentry. Mais on va le faire dans un premier temps avec un Warp prism pour aller mettre la pression de l'autre côté de la carte et peut-être empêcher Life de monter au compte de drones dont il a besoin. Parce que c'est ça le truc, avec le Warp prism, tu peux être agressif tout de suite. Donc tu limites la production de drones de ton adversaire. Ouais, et conseil crépus aussi. Donc du coup, je pense qu'on n'aura pas de pression emo derrière. On devrait juste rester sur une pression sur le Warp Prism, envoyer le 2 et envoyer le Blink du coup. Et puis après, refaire plutôt des Stalkers. Donc ça peut être intéressant. 3 Zilotes ici, il y en a un trop, parce qu'il y a déjà 2 Sentries là-dedans. Ou alors il va déposer ses Sentries, c'est quoi le délire?
Ah non, c'est juste pour aller les faire attaquer, d'ailleurs. D'accord, pourquoi pas. Pour créer un peu de disparité dans l'armée. Les Erglings ici qui n'ont toujours pas de métabolique boost. Hein, ça, c'est des Erglings, vous voyez, qui n'étaient pas sérieux à l'école, Funka. Et ah c'est ouais. ça que ça donne, mec. 10 minutes en galère, mon gars, tu bien sais sûr. Tu sais pas te faire pousser les ailes, mec. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Sois assidu en cours. Comment? Roach Warren produit 3 élotes supplémentaires. Le Wondership Core est aussi là. Est-ce qu'on fait quoi? Time Warp, Forest, Sentry? Force Field, oui. Ah, oh, bien joué. On va pouvoir se débarrasser peut-être de ces deux queens. Il est en train de donner son Mothership Core. Ça, c'est une erreur quand même de la part de Trap. Et t'as vu son Force Field l'a sauvé la queen ouais. quand même parce qu'il a reposé au nord. Par ça, contre, c'était bien joué. Les micros, là. Ouais. Les élotes plus 1 qui sont en train de trade très efficacement contre les Erglings de Life. Il va la vouloir, la queen, il va faire le crevard, je m'en doutais. Oh, mais ça, crevard. T'as pas le droit de faire ça. Oh, ça, là, c'est là. Un move anocien, c'est un move de noob de diamant, ça, mon ami. Faut pas le faire. Alors, justement, en plus, c'est que je reste pas beaucoup des joueurs pro pour ça parce qu'ils arrivent à certains moments à voir des trucs comme ça et à se dire non, c'est un piège. Et là, Trap, c'est un gamin un peu, tu vois. C'est marrant. Ouais. Attention ici, les Erglings quand même qui vont voir la B3 normalement. Pas de problème, la photo va se terminer, plus 3 îlots, c'est bien fait. Et donc du coup quand même la B3 derrière qui s'est terminée pour Trap, c'est pas mal. Il avait quand même pas mal cut les props d'ailleurs, est-ce que c'est pas une... Non, il est en train de refaire des props, j'allais dire est-ce que c'est pas une fake B3, non. Mais il est que sur 50 props, des fois, enfin si tu fais un build ouais. 3 Nexus 13 early à la Lilbo, à ce moment-là, Lilbo il a déjà 66 props. Hein. Ouais. Donc l'économie est pas encore max pour Trap, mais technologiquement il commence à se démerder. Il y a de l'immortel, il y a de la sentry, à plus savoir qu'en foutre, on a le plus 2 et le blink qui sont en train d'être ambiancés. Donc ça c'est pas mal, ça fait les affaires de Trap qui même s'il n'est pas encore très très bien économiquement a toute l'infrastructure pour se mettre bien et jouer sa game de manière correcte. Ouais, attention quand même, il l'a vu, ouais, il l'a vu normalement le bataille Hydra. Parce qu'Imo c'est sympa quand il y a du Roach en face. Hein. Là il a commencé ses Imo au même moment que les premiers Roach sont sortis, donc vraiment big up à Trap. Par contre attention, regardez, c'est l'Hydra qui va être fait. Et l'Hydra quand même, bah moi je conseille Colossus ou HT, hein. Mais sinon c'est vraiment la merde. Ou alors un gros Mastalker des familles qui est plus upgradé et qui est Blink et sur lequel vous prenez que des bonnes fights à la Lilbo. Mais sinon c'est quand même... bien la merde, les Hydra. Donc attention quand même, attrape de pas trop s'enfermer dans les IMO. Je vois que ça continue encore. Même si, encore une fois, pour le moment, tout va bien. Il lui faut quand même quelques IMO. Hein. C'est plutôt cool. Ouais. Ah, bien joué. Voilà, c'est ça. Un truc comme ça. Ok, voilà. Templar Archive derrière. Attention, le Warprism qui est en train de se faire chase au nord. Je le vois pas. Il a réussi à s'en sortir tranquille. C'est marrant, hein. Life, après la perte de sa B3, avait lancé 2 Evo Chamber. Donc il est en train de faire double upgrade. C'est un truc qu'on voit rarement en ZVP pour le joueur Zerg. Même pour le Protoss d'ailleurs, quand ouais. on y réfléchit. Très peu souvent ce double upgrade, donc si la game dure, on va avoir du Rotidra 2-2 quand même, qui peut faire très très mal, qui peut être sous-estimé. Ici, Trap qui est pas dessus, Trap qui est pas dessus, parce qu'il est en train de dropper Warprism là-haut, non? C'est quoi? Il l'a pas fait son drop, mais ouais, en effet, j'ai l'impression qu'il était sur la micro du prisme, parce qu'on voit que ça décale, il s'en sort bien, Funka, ouais, franchement, mais il y avait 10 Roach devant là, il aurait dû le perdre son IMO, même là, il a mis un peu de temps à cogiter, et du coup, c'est bon, on a pu remaxer. Au niveau ici, ouais, c'était ça parce qu'il y avait un zilote dedans qui n'est plus. Ouais. Donc il était pris là-dessus. Mais alors, du coup, on a quand même on commence à avoir une compo qui fait un petit peu flipper hein, pour Trap. Il va y avoir de la Storm, du Templar. Il reste quand même 5 Sentry dans la compo, 3 Immortels également. Donc Storm, Archon, Stalker, Immortel, Sentry, bien upgradé. Trap est bien dans cette game. Par ouais. contre, il va faire face à un Life qui, au niveau de la stratégie, a plutôt éteint son cerveau. Il va faire beaucoup d'units, du Rotidra avec le 1-1, les upgrades qui sont en train d'être ambiancés pour le 2-2. Et on va taper très très fort de manière frontale. La Storm n'est pas encore terminée à Nos. Il y a un timing pour Life et ce timing, il est maintenant. Il faut... oh. Ouh là la vache, comment le Roach a volé sur le coup d'immortel là. Ça va pas déconner ah, du tout. Il s'est fait refaire le portrait. Lui et ses 3 potes d'ailleurs qui étaient un peu belliqueux là en mode première ligne. Ils se sont fait rappeler. Pourquoi est-ce que personne ne se bat pour être en première ligne? C'est parce que c'est dangereux, les mecs. Hein. Attention ici, les îlots qui vont essayer de rentrer dans les roaches. Mais bon, la défense était prête. Mieux vaut les récupérer. Très bien fait au même moment pour voir que toute la valeur d'armée de Life était revenue plutôt, on va dire, dans le quart défensif de la map. Hein, donc dans le quart où Life a son creep. Et ça a permis à Trap, du coup, d'avancer jusqu'au milieu de map. C'est intéressant. Où sont les achetés par contre de Trap? Ils sont au milieu, ils sont au nombre de 3. Attention, Warprism dans la main. Ils ont la Storm de prête. Ok. Ouais, ce Warprism il fait mal, il décale encore une fois l'armée. Il va en plus
poussé un petit peu le vis pour récupérer deux zélotes supplémentaires, c'est bien. Et on a fait tomber cette drone, donc c'est cool. Et ça lui permet de garder aussi l'information du fait qu'il n'y a pas le T3, donc pas de Viper en arrivance, ouais. Rien du tout. Ici, la B4, elle est complètement gratuite. Du coup, le blink offensif opéré par Trap qui va se permettre de prélever cette base. Et là, voilà, il y a du force field à faire. Tu loues la bienvenue en gueule, lumière. Vas-y, voilà. Ouais, c'est propre. Ah ouais, c'est bien joué là ce que nous fait Trap. Là, il est en train de se faire marcher sur la gueule ici. Ça se passe pas bien. Oh là là, la Storm. Que sur les Hydras. Par contre, attention à pas être trop greedy ici. Ça manque peut-être un petit peu de force field. Non, j'ai l'impression que la composition proto, c'est trop fort. Ouais, la composition est vraiment bonne. C'est très très bien joué là de la part de Trap. Trap qui nous montre vraiment là qu'il est fat. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de T3 ambiancé pour le moment, donc c'est compliqué. Pas de chambre d'infestation non plus. Ou alors je l'ai raté. Non, elle est, si, elle est là. Elle est là, mais pas du grade pour le moment des infestes. Et attention, ici, on continue à envoyer quelques îlots. Ouais, du drone encore. Et en plus, le timing du T3. Donc vraiment, il est très très bon avec ce War Prism qui a vraiment créé beaucoup de décalage depuis tout à l'heure et qui emmerde Life au possible. Ouais. Et ici, avec une composition qui ne cesse de grossir, toujours plus d'Imo, toujours plus de Stalker, de Sentry, de Templar, je trouve que Trap est dans une très très bonne situation, d'autant qu'il a limité l'incom de son adversaire en se prélevant la B4 de Life. Trap qui est en train de jouer une très très bonne game et qui est ici en train de faire la différence face aux Zerg de chez KT Rolster. Life force de son 2-2, qui veut à nouveau chercher l'agression, chercher la fight, chercher l'affrontement. Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Bon dodge de Storm pour démarrer. Ouais, clairement, bon bait. Voilà, attention, parce que là, il risque de se faire avoir. Le bon life, il risque de se faire avoir. Et voilà, blink offensif. Très bien joué de la part de Trap qui vient d'isoler une bonne partie de la valeur d'armée. On storm tout le reste qui doit revenir. Et comme ça revient rapidement, bah, le pass fading est facile à anticiper. Et là, c'est Trap. Voilà, boum, mon gars. GG. Le marteau. Ah, il a fait mal. Ah là, là, il a pas déconné, Trap. Ouais, non, là, c'était bien joué. Le Cannon Rush ici n'a pas été puni, n'a pas été payé comme à la game précédente où on avait contre-attaqué à coup de Link Ban Link côté Life. Non, non. Ouais. Là, on avait essayé de commit pour défendre la hatch. Ça n'a pas fonctionné. Life s'est mis dans une situation très, très, très compliquée, complexe. Je pense que sa plus grosse, enfin, l'une des premières erreurs, en tout cas, qui a vraiment différencié les deux games, c'est vraiment sur la B3, où là, on a pu voir qu'il avait fait le choix de recréer des unités pour la sauver, alors qu'il n'a pas réussi à la sauver. Et ça, ça lui a coûté super cher, parce qu'au final, économiquement, tu repars derrière. Et technologiquement, il n'avait même pas commencé son gaz. Donc il est... Et je pense que c'est vraiment l'un des points qui a créé après toute cette différence entre les deux games. Bah c'est ça, il n'y a rien de pire qu'un Cannon Rush qui non seulement fonctionne, mais un Cannon Rush sur lequel tu t'es débattu, où tu as essayé de défendre et ça n'a pas fonctionné. Cannon Rush, c'est comme les sables mouvants en fait. Faut pas bouger ma gueule. Non, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Faut être minimaliste dans ces. Vous auriez dû voir la gueule d'Anos pendant qu'il m'a dit ça. Il était là, putain, c'est pas con ce que je dis en plus. Je suis trop bon. Non, non, mais justement, je me demandais si t'allais te dire, si t'allais te dire. Non, non, mais. Non, si, si, ça. Non, non, c'était le regard du doute. Je pense qu'à un moment donné, il faut imaginer réellement, enfin, en tout cas, être capable d'estimer très rapidement si le Cannon Rush va fonctionner. Et s'il fonctionne, bah, faut lâcher l'affaire. Il faut arrêter de te débattre. Et il faut admettre que tu vas perdre 300 secs et ne pas en perdre beaucoup plus. Et là, c'était le cas, parce qu'il a investi dans tellement de Zerglings, la Spinecrawler, les Queens, etc., que ça lui a coûté très cher. Life et Trap, qui sont eh bien, maintenant à égalité, un à partout dans ce BO5, beaucoup plus disputé que prévu, parce que moi, pour tout vous dire, au tout début du truc, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit Life 3-0 Trap, et je me suis dit, oula, lui, c'est un gros spoiler, je lui ai mis un time-out direct. Et en fait, c'est pas le cas. Un partout, YKRZ qui dit 2€ d'économie. Oh wait, parce qu'il a quand même fait une donation de 2€. Merci, badass. Poulet. Devant Gaming avec un bon whisky. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, celui-là. Big up Baslik. Et là, en dessous, il y a des gens qui lui ont demandé quelle était la marque de son whisky, je crois. Ouais, c'est un Chivas. C'était un Chivas, ouais, d'accord. C'est un Chivas. Bah, bon il se met un. Voilà. Du coup, un partout, vous l'avez compris, on a deux games sur un BO5. C'est le time-out, la pause bien sûr. On se retrouve juste après pour la suite de ce dernier BO5 de GSL, Trap versus Life. Et de retour sur cette soirée GSL, dernier BO5, mais pas encore dernière game, puisque nous on est à un partout, et que par conséquent, aucun des deux joueurs ne peut remporter ce BO5, parce que si vous avez fait des maths au collège et au lycée, il faut en gagner 3, et ce ne sera pas possible sur cette prochaine game, qui prendra l'avantage néanmoins entre les deux joueurs. C'est ça la question. Ouais, on est sur Expedition Lost, les amis. C'est une map très intéressante pour le joueur Zerg. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cette map-là. Donc, on va voir ce que les joueurs vont donner. J'ai envie de donner un petit avantage à Life sur cette map. Mais sait-on jamais. Ouais. On a vu des pros faire des trucs pas mal. Expedition Lost. Mais ouais.
une map compliquée à gérer du fait des cheese potentiels de cette carte et surtout du fait qu'on a des gold aussi. Donc on verra ce qui va être choisi par Life. Est-ce que ce sera plutôt une proxy edge derrière le caillou pour mettre la pression avec des speedlings et des spinecrawlers? Est-ce qu'on prendra la gold? À mon avis, le choix de l'agressivité, le choix du build order intéressant par rapport à la map et, par rapport à la map et surtout dans les mains de Life, ouais, dans clairement. Les mains du joueur Zerg. Clairement. Et on va voir ce qu'il choisit d'en faire. Ouais. C'est parti les amis, la game qui est lancée, c'est le code. On vous rappelle que le vainqueur de ce BO5 ira rejoindre un ensemble de joueurs déjà qualifiés pour le code S. Et c'est parti en haut à droite de la map pour la team Gene et Green Wings, il s'agit de Trap. Trap. Tu l'as pas? Bon, c'est pas grave. Eh bien, rappelez-vous, Trap a des petites lunettes et un petit polo blanc et vert. C'est Gene et Green Wings, en bas à gauche. Le joueur peut-être favori de Hanos. Ouais, clairement. Et ben voilà, clairement, c'est dit. Pour la team KT Rollster, vous allez peut-être le voir à l'écran, c'est Life. Wallé ! Et sa petite souris aussi. Ouais, il a essayé une Miko. Je crois. Milo. Mais c'est Imre qui joue aussi avec une toute petite souris KT Rollster. Je crois que c'est la même. Ah ouais, c'est la Miko. La Miko. C'est horrible, je l'aime pas du tout. Mais je peux comprendre. Si t'es habitué à des grosses souris et surtout qui remontent un petit peu comme ça, ça va être compliqué. Alors ouais, on le voit là, on le voit à Trap. Trap un peu badass avec son pseudo écrit sur son clavier d'ailleurs. C'est ce que, bah un peu comme cette souris, voilà, la Gladius, voilà, ouais. Bah, c'est un peu ça. Donc ça, c'est la souris du sponsor, Asus Republic of Gamer. Moi, c'est des souris comme ça que je suis habitué, avec une forme un peu dos, le dos crawlé. Comment ? C'est parti, on part sur une forge du côté de chez Trap. Trap qui va aller scouter pendant ce temps-là. Salut Nounou ! Ça sera la proxy hatch. Alors avec Forge Expand sur le low ground, je pense qu'il y a des opportunités hein, pour cette proxy H de faire du dégât. Parce que tu vas avoir beaucoup de zones à couvrir et généralement je pense que tu préfères probablement être limité sur une base de la part de Trap pour pouvoir défendre de manière plus concise. Parce que là tu vas avoir vraiment assez littéralement trois ouvertures à gérer et ça va être très compliqué. Trap qui bien sûr scout et voit que la poule est en retard. Et qu'il n'y a pas de spawning pool. Et pendant ce temps-là, je crois qu'il a envoyé d'ailleurs une deuxième probe qui allait scouter la gold au centre pour avoir l'information très vite. Donc voilà, il le sait et il va canon rush la proxy arch. Bah ça, c'est pas con. Oh. Bah moi, je trouve ça pas con. Parce que franchement, j'ai jamais vu personne réussir à défendre avec une photon cette stratégie-là en haut. Comme tu l'as dit juste avant, il y a beaucoup de points à renfermer, donc c'est très compliqué. Par contre, ça, c'est vrai que j'ai jamais vu et j'ai envie de te dire, franchement, mec, pourquoi pas? Il arrive avant le creep. J'ai l'impression que c'est très bien vu, que c'est très bien joué de la part de Trap et il va peut-être nous montrer comment est-ce qu'on contre en fait cette strat en scoutant rapidement, en faisant une photon. Notamment avec ce double scout, hein, parce que c'est vrai que tu peux te poser des questions quand tu scoutes l'absence de hatch. Ouais, Life qui pose une autre hatch ici, donc ça veut dire qu'il va cancel l'autre. Ouais, je pense aussi qu'il va annuler. Ouais, c'est bon. Ouais, il l'avait vu. Donc ok. Donc là, Trap déjà, encore une fois, qui dit « Mec, tu ne joueras pas exactement comme tu le souhaites. » Ouais. Et c'est bien fait. Très bien fait de la part du joueur de chez Jiner. Ils ont réfléchi, les joueurs coréens, ça se voit, hein, à cette fucking stratégie qui leur a posé trop de problèmes au joueur trop tôt. Qui leur a fait perdre tellement de parties, mec. Ouais. Salut le Gnoutu. Donc, du coup, très bien joué de la part de Trap, là, qui nous propose vraiment quelque chose qui marche très bien, vous l'avez vu. Life n'a même pas cherché à comprendre. Les quatre premiers Zerglings qui sont sortis, qui vont suivre cette petite probounette. Le Gnoutu qui a tapé une esquive. Normal. Et c'est une feinte. Oh là là. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir? Oh là, retour. Bata banning. Il a continué le gaz. Il va nous refaire comme la game. Mais Life, à chaque fois qu'il a une contrariété dans ce BO5, t'as remarqué? Link banning, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, Ibrahim. Enculé. Tu me laisses pas faire ce que je veux faire, bâtard. Respecte-moi. Non, et franchement, parce qu'en plus, il a. Oh là, la pro par contre, qui va réussir à sortir. Faut pas la laisser ressortir, ouais, je suis d'accord. Il le voit en plus, hein. Ah, ça, je suis pas fan. Bon move ici de la part de Trap. Mais attention, ceci étant, parce qu'on n'a pas d'unité quand même pour défendre cette forge. On n'a pas le gaz pour une sentry, on n'a pas le warp gate. Ah, il a payé son mothership core d'abord, donc il aura peut-être une poussée photonique. La probe au sud qui va confirmer qu'il n'y a pas de B3. Ouais. Et alors là, c'est système d'alarme. Hein. What? What's your flavor? 4 banning morphé en haut, je crois. Ouais, ok. 4 banning morphé en haut, je veux juste vous montrer ça.
Ça va être compliqué pour Trapp. Hein. J'ai très très peur. Il les plante. Ouais. C'est bien joué. C'est bien fait. 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 Est-ce qu'il a tilté? Est-ce qu'il a tilté le joueur proto? C'est mort, mec. Je veux pas casser l'ambiance, mais il va avoir une sentry, que je sache, un force field. Ça, t'as pas toute la rampe. Là, la forge, elle saute. Hein. Il va pas sur la forge, d'accord. Il va sur le zilote. Ouais, c'est bien fait, parce que son premier force field était très bon. Hein. Ouais, parce que ça fait deux bannings dans le vent. Bah ouais, deux bannings en moins. Il va avoir un total de 5. Il va en perdre un de plus à cause du Mothership Core qui est en train de faire la diff ici. Ouais, il y va au même endroit. Il fait sauter le stall, il fait sauter le zélote. C'est pas mal fait. Les élites, les zélotes, les, par contre, les zerglings au corps à corps qui sont en train de se débarrasser de la sentry. Le canon qui va peut-être tomber. Toutes les props qui sont poules, poussée photonique. Ah, hey, bien joué la poussée photonique. Avec la tuile, il peut peut-être il finir. Va venir. Ouais, ouais. Holy shit. Oh, bien joué. 17 collecteurs à 26 du coup. Hein. Du coup, c'est très bien joué de la part de Trapp. Trapp qui, pour le moment... Eh ben voilà. Ouais. Il le sait, hein. Ouais, il veut même pas pousser ça derrière. Va être 17 probes à 26. Il a détruit un pylône, un zélote, un canon. Et encore, je dis le canon, mais le canon, il l'a même pas fait tomber. Il respecte son adversaire parce qu'il aurait pu quand même, c'était de la photon. Il savait qu'il allait pas se manger un contre. Donc il aurait pu continuer la game en étant vraiment en retard, bien évidemment. Mais bon, il respecte son adversaire. Il part du principe qu'il arrivera pas à remonter la game. Et je peux le comprendre. C'est vrai que Trapp nous a montré du bon jeu quand même. Hein. Faut pas ouais, et Trapp, ouais, quasiment à chaque fois, en fait, il a réussi à emmerder Life dans son développement. Triple H avant poule qui se fait cannon rush sur la première game. Triple H avant poule qui se fait cannon rush sur la deuxième game. Ouais. Proxy H qui se fait cannon rush sur la troisième game. Jusqu'à maintenant, la forge aura vraiment vachement servi à Trapp et aura permis aux joueurs de chez Jiner à mettre des bâtons dans les roues des stratégies de Life. Et c'est lui qui mène maintenant. Ouais. C'est ça qui est ouf. C'est ouf, hein. C'est que là, c'est lui qui... Et d'ailleurs, ça s'est vu, là. On a vu, si vous regardiez Life, à un moment, là, il y a eu un petit geste avec sa langue, là. Où, voilà, tu sentais... Oh, merde, attends, 2-1, mais à partir de maintenant, faut plus que je déconne, quand même. Ouais, il est pas censé se passer ça, enfin, genre... Clairement. J'étais pas au courant, mec. Faut peut-être qu'il rejoue un peu Hatch First, une toupoule, hein, tout simplement. Hein, ouais, peut-être qu'il va un peu trop loin, mais on verra. En bas à droite de la map, en tout cas, il mène pour le moment, et très franchement... Je n'aurais pas cru qu'il aurait pu mener à un moment dans ce BO5. C'est très bien joué pour la team Jiner Green Wings. Il s'agit de Trapp. Et en haut à droite, il avait été spoilé dans le chat qu'il devait gagner 3-0. Mmh. La personne a pris un time-out. Une fois de plus, je m'en excuse. C'est Life. Non, mais c'est juste le mec... Au début du BO5 qui dit Life 3-0 Trapp. Non, mais faut, normalement, c'est un spoil. Faut pas chercher la merde, quoi. Alors, j'ai hésité à bannir en plus parce que je me suis dit ça paraît tellement crédible que c'en est vrai et par conséquent il m'a saoulé. Tu t'es dit toi parce à mon que avis tu fais des efforts en vrai. Moi personnellement je fais des efforts de pas regarder les game paper chez WAM pour pouvoir les caster après coup et quand je me fais spoiler juste avant de commenter le truc je suis complètement vénère. Ça m'était arrivé pour quoi déjà? Pour la finale du round 2 de la Pro League je crois. Genre ça fait une semaine que je regarde Twitter avec les yeux dans les coins, tu vois, pour pas regarder les tweets vraiment. Ouais, tu vois, ouais. Et une minute avant le début du truc, je me fais spoiler la finale. C'est trop vénère. Alors, ce sera spoiler. At first. Est-ce qu'on pousse? Parce que ce coup-ci, il n'y a pas de forge. Mais en même temps, Trapp a éduqué Life. Hein. Ouais, et puis tout à l'heure, il l'a fait en deux. Hein. C'est-à-dire, il a fait comme ça. Tac, Nexus, il a fait sa forge après. Il et a fait Gate, Nexus, forge. Ouais. Il y a une des games où il a fait ça et c'était la game... C'est la game 2, peut-être. Je crois que c'est la game 2. Ouais, c'était la game 2. C'est la game 2, t'as raison, sur Echo. Ouais, parce que sur la game 1, il a fait Forge, c'est pas passé, donc après il a fait Gateway Forge, c'était ça. Et même, je me rappelle, c'est là où je t'ai fait la réflexion, ah, ça m'embête qu'il fasse ça parce qu'il va reperdre exactement les mêmes choses qu'il avait perdu sur la game 1 avec le corps et compagnie. Ouais, t'as raison. La poule du coup qui aura été envoyée, hein, donc pas de phase B3 ce coup-ci pour Life, c'est bien joué, encore une fois il est mené 2-1, on vous rappelle que le premier à 3 passe en code S, l'autre sort et ne fera pas de GSL pendant ces prochains mois, donc c'est quand même assez ghetto. Hein. Ouais, c'est un peu le ghetto ouais, pour les joueurs qui se font éliminer ici maintenant, surtout voilà, si t'as pas l'occasion derrière de te rattraper en SSL ou ce genre de choses. Bon là, on n'y est pas encore. La probe, elle est vénère. Elle suivait le drone ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un coup de taser, c'est toi, ça. Bâtard? Prends un coup. Ah, mais c'est parce que le zilote arrive, c'est pour ça. Et un zilote qui arrive directement de la part de Trapp. Trapp qui a aussi envoyé un deuxième zilote. Hein. Donc Trapp qui est clairement dans l'agression à base de ziloterie pour commencer cette partie. Ouh, toi, je sens que tu vas mourir sur un coup de taser. Ouais. Oh. J'avais pressenti ta mort. Oh la vache. Hey, ça fait deux kills. Hein. Ouais. Hey, Trapp en early game. Ouais. Il dit à Life, mec. Bon là par contre sacré micro des drones. Ouais, franchement.
Si ce c'est mec, le timing c'est pas parfait. Un putain de dieu quoi. Par contre, il y a un deuxième zélote, HF. C'est ce qu'il arrive à faire, il me rend fou quoi. Premier Zerg Windkeamer, on va faire un peu de micro-gestion. Ah, et bon positionnement, encore une fois, deux trappes pour limiter la surface. Oh, oh là là, comment il lui a dit bouge-toi. Non, mais je te jure, mec, les Zerglings de life, il les enduit au beurre avant quoi. Mais, c'est comme si une mouche, gars, ça te mettait un coup d'épaule. Non, c'est moi non, qui c'est passe. C'est moi qui passe, quoi patard. Mais t'es une mouche, tu fermes ta gueule. Très bien joué de la part des 4 Zerglings. J'ai adoré ce move, qui sont d'ailleurs au nombre de 6 maintenant. Attention de ne pas dire de bêtises, Anos. Quand même, le MCK a été envoyé, on continue sur la siloterie. Si on a une petite prop qui va aller prendre, la Xel'Naga est peut-être plus si affinité. Hein. On peut aller poser un pylône ou un petit quelque chose comme ça. Et au niveau de la technologie, on n'a pas grand-chose du côté de chez Trap. Ouais, Mothership Core only, un zélote de plus produit qui va fermer la porte. Ici, il n'y aura pas de Zergling qui pousseront le zélote. Le Mothership Core est sorti, donc le zélote se sent un petit peu chaud d'aller mettre un petit coup de lame psionique supplémentaire. C'est bien fait. Overlord qu'on envoie un petit peu YOLO au niveau de la B2 pour voir s'il y a de la prise de gaz, s'il y a du bâtiment planqué. Life qui obtient l'information. Pour l'instant, rien n'est ambiancé particulièrement puisque c'est un Stalker qui va arriver. Par contre, il y a déjà un proxy pylône. Ouais. Ça sent la Stargate, ça. Ouais, parce que c'est bizarre, il n'y a pas de gate. Hein. Donc, à part cacher de la technologie, ou alors cacher même des gateways, je sais pas. C'est vrai qu'il y a cette opportunité-là aussi. Moi, je pense que ça va être une Stargate. Attention, ouais, ici, Stargate, la sentry ici qui se fait attaquer. Très bon call de la part de Funka. La petite Stargate à 6-30. Ça, c'est vraiment la Stargate que tu peux pas trop émuler quand même. Ouais, elle est dure, elle est très très dure à lire. Ouais. Attention, la gateway qui tient. Oh là là, donation de Zergling là quand même. Hein, au final, hein, une gateway qui tient, les amis. Ça, on s'en fout qu'elle soit low life ou pas. Hein, tant qu'elle est toujours là, ses capacités de production sont toujours les mêmes. Soyons bien clairs. 4 Zerglings, bon, c'est que 4, mais 4 Zerglings ont été donnés vraiment dans le. Putain, mais mec, que 4 Zerglings ont été donnés sur cette gateway. Ouais, je crois. Hein. Putain, mais au début, il en avait déjà donné un ou deux. Ça veut dire qu'il a donné que 3 Zerglings, j'avais l'impression qu'il avait plus donné que ça. Non, mais en fait, là, jusqu'à maintenant, Life qui a fait des bonnes micros, considérant le fait qu'il a perdu quand même un drone sur une probe. Au-delà de ça, sa micro anti-zélote était très bonne. Sur la gate, effectivement, il a donné un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Par contre, tu le disais, la Stargate, elle est dure à émuler. Et pour l'instant, du côté de chez Life, je pense qu'on l'a pas du tout senti venir. Il y a une queen par base. Point de sport. Il y a pas de sport. Ah, il y a une sport dans la B2, de manière un peu aléatoire d'ailleurs, il y en a une seule dans la B2. Et du coup, cet oracle pourrait bien faire beaucoup de dégâts. C'est bien vu celle de la B2 parce qu'il se dit bon, je sais pas si c'est Stargate, mais si jamais c'est Stargate, il a fraché lui, donc elle arrivera là en premier. C'est pas con, le problème c'est qu'elle est pas là, la Stargate, elle est à gauche. Et donc elle va d'abord arriver sur la B3 en premier. Et là, les amis, ça va faire pleuvoir les kills. Attention, faut bouger les drones. Les drones, excusez-moi, de la ligne de minerai. C'est chose faite. Ouais, mais on va monter à 10. Oh, double sport. Fait instantanément, très bien timé par Life. Qui sauve la situation, même si bon voilà, cette drone ça fait jamais plaisir. Ouais. Oula, double Roach Warren. Double Roach Warren, ça sent la masse Roach Bureau. What the fuck? Ouais, Roach Pit, Roach Bureau, tu sais la strat de. Ouais non, moi j'étais sur le what the fuck du MC en fait. Ah oui. Qui arrive sur deux queens en mode un peu salut. J'ai 18 d'armure, non, t'as pas de vie mec, détends-toi. L'oracle qui va repasser au nord, et en effet, hein, le double Batarouch dont tu venais de parler, qui permet du coup d'envoyer les deux upgrades en même temps, aussi bien l'upgrade pour la vitesse des roches que l'upgrade pour le déplacement sous terre. Donc très très intéressant. Mais attention à Life, quoique, non j'ai envie de dire, j'allais dire mais attention risqué quand même, mais en fait je pense que cette stratégie est risquée quand tu fais tout sur un Batarouch. Parce que là, c'est vrai que ça te décale quand même pas mal et que c'est limite des hydrants en moins. Ah là, oui, quand tu fais ça comme ça, c'est 150 de plus de minerai, bon, et un drone, mais ça reste que du minerai. Et derrière, quand même, ça te permet vraiment d'avoir un vrai timing. Donc non, j'ai envie de dire, non, j'aime bien ce que fait Life, à voir si ça va passer. Bah, généralement, quand ça frappe avec 40 roach d'un coup, ça. Qui ont le speed et le bureau, ça et mal. Ça, mec, surtout sur cette carte, c'est très très compliqué à gérer. Ah, et contre ça, en plus, là, il est totalement dans le build de 8 sentry, 2 zilotes, je prends B3. Ça me semble vraiment pas mal ce que fait Life. Life qui va essayer de remonter à 2-2, mais rien n'est fait pour le moment. 57 collecteurs à 54. Aucun des deux joueurs n'a réellement l'avantage sur l'autre. Ça reste très serré. Ouais, ça reste serré. Alors, regarde là vite fait la vision. De Trap. De Trap qui n'a pas vu le deuxième Roach Warren. C'est ça que je voulais savoir. D'accord. Ouais, il l'a pas vu. Et là, il va. Pas vu. Ah, toujours pas vu. Si, voilà, l'a vu.
Et là, s'il connecte bien, en plus, il a montré, il a révélé le bureau en essayant de bureau sa queen. Là, il doit le savoir vite. Et voilà, regardez, robot et canon supplémentaire. Ouais. Et des canons, il va lui en falloir. Limite, là, dans sa situation, je me demande s'il ne faut pas cancel une gate pour avoir plus de canons. C'est 3 ici, parce que réellement, ouais, ça va être très très compliqué à défendre. Life qui bureau sous les force fields et qui passe à l'agression. Life qui envoie tout. On rappelle que Life est à une game de l'élimination en Coda. Lui qui a été champion de la première saison, ce serait tellement ouf de voir ça. Ouais. Pour l'instant, ça tient. Pour le joueur de chez KT, pour le joueur de chez Jiner, ouais, mais la pression ne va pas s'arrêter. Le joueur Jiner excellent qui a envoyé ses force fields, qui a carrément fait bugger le jeu. Il y a des roches qui étaient sous les force fields mais qui tapaient quand même. Attention ici, attention, est-ce qu'on va retourner sur l'armée? Est-ce qu'on bureau? Qu'est-ce qu'on fait? Nous on continue un peu à focus. En haut, plus de roches qui arrivent, on rebureau, l'armée qui est sortie. C'était peut-être un petit peu greedy ça de la part de Trap. Trap qui est en train de donner toute son armée. C'est chaud, il n'y a pas de détection, il n'y a plus de canon. S'il s'en rapproche d'un autre et du coup la vision qui revient, non, c'est l'observateur qui vient de rentrer sur le champ de bataille. Pour le joueur Protoss, est-ce qu'il peut tenir Trap? Est-ce qu'il peut tenir sa qualification sur, pour le Codes face à Life? Ça paraît tellement, tellement compliqué. Il n'y a plus que des roches qui sont en train de traverser la carte. Regardez, une petite dizaine de plus qui arrivent. Ouais. Life, la macro. Complètement impitoyable sur cette game. Il va unpower 3 gate en plus. C'est ça, et ça va faire très mal. Et en plus, là, ça y est, la charge photonique est terminée. Donc, il a réussi à garder son groupe en vie avec une charge photonique. Pourquoi est-ce qu'il n'y arriverait pas maintenant qu'elle n'est plus là? Attention, on va rentrer directement ici. Il faut poser quelques force fields. On va passer en dessous. La photon qui détecte, bien évidemment. La photon qui est morte, plus de détection maintenant. Ouais, non, là, c'est fini, il y a trop de roach, tu peux plus gérer ce nombre-là. Certes, il y a un immortel qui sort, mais ça va trop vite avec ce build, ça arrive trop vite. Et il faut le savoir, il faut savoir que ça arrive. Trap n'a pas eu l'information et Trap le paye. GG, game numéro 5, Anos. Ouais, bien joué, bonne strat de la part de Life. Je ne sais pas quelle est la... Ah si, c'était Coda, je crois. Je me rappelle avoir dit, et si le besoin s'en fait? C'était Coda. Exactement. Ouais. Putain, quelle mémoire. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et tu sais qu'en plus, je me suis retapé Nemo dernièrement. Alors, du coup, je me prends pour Dory, si tu te rappelles de Nemo. C'est le poisson rouge, ouais, qui oublie tout, quoi. Enfin, c'est ça. Oublie tout. Ça, c'est le nouveau film de chevet de ma. Ouais, on enchaîne, ça me va. C'est le nouveau film de chevet de ma fille. Alors, je le mange 10 fois par jour, papy. Mais franchement, Nemo, bien sympa. Encore une fois, Pixar, vous avez vraiment tout mon respect. Vous faites vraiment des bons films d'animation. C'est très même le dernier est vachement bien. Hein. Je veux le voir, Vice Versa, tu l'as vu? Il est trop bien. Oh salaud, je suis sûr que c'est une tuerie. Franchement, c'est chambé. Et c'est pourtant, vrai je suis pas un grand fan de films d'animation. Ouais. Mais réellement, j'étais bien pété de rire pendant la séance. Et puis genre, c'est ultra malin. Mais il y a l'idée trop de vachement intelligente. Il y a trop de bonnes idées. Visuellement, c'est trop parfait. Putain, comment ils te mettent en lumière. Franchement, le film est vraiment cool. Bah, j'ai vu la bande-annonce, c'est sur l'embrouille en fait entre la fille, la mère et le père. Voilà. Et c'est super marrant parce que le père qui percute pas, la mère qui envoie des signaux et donc dans la tête qui s'enroule. Putain, mais il comprend rien ce con et tout. Vraiment, j'ai trouvé que c'était tellement réaliste en plus. Ouais, je suis pressé de le voir. C'est très 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 malin et franchement, c'est bon, ils sont bons pour ces trucs-là. Ça mais les enfants, ils vont rien comprendre par contre. Pour d'accord. Les tout petits, ça va être compliqué. Okay. Je pense que si t'as l'âge du personnage principal, c'est-à-dire genre c'est 12-13 ans, je crois. 12 ans, là, ah ouais, quand même. 11-12 ans, tu vois. Oui, tu vas habiter. Après c'est pas pour les ouais, c'est pas pour 5 ans quoi. Ouais. Sinon c'est ou pas très, très drôle. Ouais, voilà, c'est deux ans. Pour le soir, bien sûr, YKRZ, merci bien beaucoup. Bien sûr. Et c'est reparti. Tiens, bah vu qu'il y a YKRZ, on va commencer par le Zerg en haut à gauche de la map. Ce Zerg est un champion, il fait partie de la team KT Worldster. Il est jeune mais tellement d'intelligence, encore peut-être un peu trop de folie qu'il doit canaliser pour vraiment devenir le meilleur joueur du monde, mais il peut le faire, il s'agit de Life. Donc avec sa petite Zoe Miko, si vous vous demandez avec quoi il joue, c'est une Miko. Et en bas à droite, pour la team Jiner, et mine de rien, il est en train de ouais, faire douter un mec du perfect niveau de Life. Ouais. Et c'est là que voilà, je suis content qu'on ait bien hypé ce match en disant que ce ouais serait le plus serré, le plus tendu. Ouais. Parce que effectivement ici, notre joueur Protoss, Trap, est en train de faire une très 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 belle performance. 3-0. Ouais, tu fais 3-0 pour Life, ouais. Bon. Je vais pas m'excuser 3 fois non plus. Hein. Et le mec, il a qu'à pas ouvrir sa gueule avec un score. Et puis c'est tout, quoi. Après, moi, j'adore Trap. Mais en toute honnêteté, j'espère quand même que c'est Life qui va passer. Parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Et du coup, j'aimerais le retrouver. Mais on verra bien. Point de favoritisme dans le cast. Ne vous inquiétez pas. La gateway qui a été envoyée tranquillement de la part de Trap. Donc pour le moment, on suit son plan de jeu plutôt standard. D'ailleurs...
Leif, il aurait pris le risque dans une des games de faire une poule rapide. Ça se trouve, il aurait vraiment pu se mettre bien. Mais ça reste à voir. Et du coup, on va partir sur une B2 pour le moment. La question, ça va être de savoir est-ce qu'il complète avec la poule ou avec une phase B3, encore une fois. Bah, j'aimerais pas le voir poser une phase pareil, B3. Pareil, je mais en même temps, tu sais, s'il le fait, je me dis, c'est tellement le mec qui s'en fout qui dit bon, allez. T'as essayé de m'apprendre que je pouvais pas faire 3 matchs avant poule. Et si t'allais te faire foutre, mec? Non, bon, il va poser sa poule. On n'en est pas là. Il n'est pas là pour faire passer un message. Il est là pour se qualifier en GSL. C'est ça. Donc c'est compréhensible. De l'autre côté, tu l'as dit, Gate Nexus sans gaz. Hein. Donc du coup, voilà. Je dirais. Il y a eu pas mal de variations quand même dans les openings PVZ du côté du Protoss et je trouve ça vraiment agréable. Ouais. Et ça, c'est vraiment le dernier populaire en date parce qu'il a des options contre pas mal de ce que peut proposer les Zergs, notamment des 14-14, des openings agressifs avec Pool, ouais. qui vont faire très très mal face à Nexus First, alors qu'avec Gate Nexus, tu perds certes un petit peu de temps sur ton Nexus, hein, disons pas le contraire, il y a quand même 152 minerais qui sont investis dans autre chose que ton Nexus, mais d'un point de vue défensif, t'es quand même plus ouais. solide. Et puis même, on l'a vu, hein, ça lui permet aussi d'envoyer ses îlots s'il le veut très rapidement. Donc ça peut aussi t'ouvrir des options avec un peu d'agressivité, paradoxalement. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai que non, c'est très sympa ce qui fait le bon trap. C'est parti, le premier Overlord qui est en train de scouter, qui avait déjà scouté, mais qui continue son périple, son voyage en terre aurienne, bien évidemment. Et du côté de chez... Wow, désolé pour ce move dégueulasse. Et du côté de chez Life, on a posé la B3. Donc... Ouais, Hatch Pool Hatch, voilà, bon. Tu vois, de la même manière que derrière, on a un trap qui veut mettre en avant son économie, mais qui ne prend pas totalement des risques. Ah, voilà, là, on a ça, quoi. On a la version, la Hatch First, certes, mais la poule derrière, la Hatch supplémentaire. Et on repart sur une game standard. On rappelle, hein, c'est la game décisive, les deux joueurs qui se seront poussés dans leur dernier retranchement. Ouais. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses en lice pour ces deux joueurs, notamment pour un mec comme Life qui, quand même, à chaque saison, je pense, peut s'estimer comme étant un potentiel gagnant. Bah, tomber en coda, c'est quand même pas vraiment ce que tu veux. Hein. Ouais, clairement, très bien joué parce qu'il a bien focus le Zergling qui montait. Du coup, celui-là, hop là, va se faire buter. Et du coup, on n'aura pas l'information de la Stargate. Donc, bien joué de la part de Trap qui a bien réussi à cacher sa technologie. Du côté de chez Life, par contre, on a juste pris un petit gazounet, si j'ai vu, alors qu'on est quand même à 5,35,40. Donc normalement, il y a le deuxième gaz qui part. Tout va bien, Zab? Ok. Non. Je te voyais passer, je dis peut-être qu'il a une question, un truc. Non? On continue? Okay. Non, continuez. Continuez, plébéien. Homme du peuple. Continuez, plébéien. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais même plus, mais en tout cas... Je sais que tu étais content du target fire du stalker sur le Zergling qui montait la rampe. Oui, je parlais du scout. Voilà. Et du coup, oui, je parlais du gaz de Life où j'étais étonné qu'il n'ait pas complété ce gaz. Qu'il en prenne qu'un seul, tu veux dire? Ouais, on est déjà à plus de 6 minutes quand même, Funka. C'est vrai. Ça, c'est ouf. C'est mais vrai. Pourquoi pas? Pas de bataro de champion, on va être à 7 minutes. Donc là, Life quand même qui se met bien dans le ghetto. Il a vu la Stargate? Normalement, non. Maintenant, il l'a vu. Ah, il avait là ce coup-ci, tu vois, il avait payé ses sports de safety, tu vois. Ouais. Il avait payé sport dans toutes les bases, donc voilà. Et on apprend encore une fois, côté Life, des erreurs possibles de la game précédente. Ici, deux extracteurs supplémentaires pour monter à un total de 3. Au final, il fait quand même un call de génie, là. Parce qu'au final, il a payé, il a retardé ses gaz. Donc en gros, ses sports, là, les 3 sports, ça lui coûte que dalle, parce que c'est normalement, vrai. Il aurait dû prendre ses gaz. C'est Et vrai. En plus, derrière, bah, il complète ses gaz avec son T2 tardivement, mais quand on regarde bien, Trap a quand même bien retardé sa technologie pour avoir accès à cet oracle. Regardez, il sortira que sur le plus 1 et compagnie, je pense. C'est Donc ça. S'il veut dire que là, ça se trouve, là, il vient juste de faire l'une des meilleures défenses qu'il aurait pu faire. Il est prêt contre les oracles. La prochaine attaque est que dans 3 minutes. Donc moi, j'ai déjà 56 collecteurs. J'ai l'impression quand même que... Life a fait un très très bon call en blind, mais un bon call quand même. Ouais, non, c'est bien, c'est propre. Et du coup, cet oracle va avoir des difficultés à faire du dégât. Tandis que du côté de chez Life, on est quand même du coup en train de s'envoler hein, en termes de nombre de collecteurs. Déjà 55 face aux 47 de son adversaire. Il scoute la B3 de son, du Protoss. Parfait. Ici, ça va être compliqué de le cancel, je pense. Il y a plus de Zerglings qui arrivent, hein, qui vont mettre la pression sur cette base. Il y en a combien au centre là? Il y a quand même pas mal de Zerglings, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'arriver. Oui, il en a 16. Ouais, 16 je dirais qu'il y en a 8 ici. Ouais, c'est ça, 8 ici et 8 qui arrivent. Oh, bien joué ici. Il va essayer de flageoler un peu ces unités là. Ah, maintenant que le force field est posé, ça paye un peu moins. Oh, la sentry qui s'en sort à très très peu de PV là au sud. Ouais. C'est bien fait par Trap, 4 PV.
Donc il limite la perte de gaz et on va jouer Hydra. Hein. Il a cut tout ça pour aller. Il est complètement en panique. Genre, non, reste là. Il était coincé du coup. Donc Clive qui vient de s'en rendre compte qu'il a voulu essayer de rentrer, mais bon, il y avait le vigile. Voilà, le vigile qui dit non. Si tu n'es pas Protoss, tu ne rentres pas. Donc des fois il laisse passer les changelins, mais vraiment faut qu'il soit malin. Quoi. Et du coup voilà, on a skippé tout ça pour pouvoir faire une explosion d'hydralisque ultra rapide. Hein. Le bâtiment vient de sortir, il y en a déjà 14 en production ainsi que la range. Et là il va aller très très rapidement mettre une énorme pression sur la B3 du joueur Protoss qui maintenant a l'information sur le bâtiment. Ouais. Mais n'ayant pas encore énormément d'unités très très strong hein, face à Hydra. Hein. Ouais, il a que dalle. Il y a que de la sentry, il n'y a pas énormément de mana. Ouais. Attention. Ouais, clairement. Clairement, là, il n'est pas du tout max le bon trap, mais pas du tout, du tout, du tout. Pas de bête soutien robotique pour le moment envoyé. J'ai l'impression qu'il va plutôt essayer de jouer sur le nombre et d'essayer d'avoir une belle valeur d'armée. D'ailleurs, est-ce qu'il peut faire autrement d'ailleurs ? Franchement, Vengeup, là, s'il paye le bête soutien robotique, c'est encore 3 stalkers en moins. Vraiment dans la merde de la trappe. Hein. Là, il faut des unités et il faut des unités vite du fait de ces. Ouais. Du coup, la raison de la création de toutes ces gates là. Ouais. Et là, on a quand même beaucoup d'Hydra pour Life qui en plus commit. Hein. Il y a aussi le Speed Hydra qui va arriver parce que des renforts, il y en aura pour le joueur Zerg de chez KT Rollster qui passe à l'assaut. Il joue sa qualification sur ce move. La grosse agression qui arrive. Attention, attention, il y a quand même des force field. Il a un coup à jouer, Trap. Un coup à jouer qui est compliqué, mais il a quand même un coup à jouer. Les Hydra qui commencent à tapoter le mur tranquillement du côté de chez Trap. On essaie de gagner du temps pour avoir un peu plus de Stalker. Stalker qui commence à se masser dans la B2 d'ailleurs, mais on vient de perdre le corps. Donc on peut plus faire de Stalker. Qu'on se comprenne bien, les joueurs qui ne jouent pas Protoss. C'est la merde. Du Zilot, là, c'est la merde, Trap. C'est la merde pour Trap. Trap qui va perdre son Mothership Core. Il n'y aura pas de deuxième poussée photonique. Il perd de l'énergie. Ici pour sauver ses sentries, même pas pour glaner une meilleure position ou pour empêcher les Hydralis de taper, mais pour sauver ses sentries. Il est en train de perdre la mana dont il a drastiquement besoin face au nombre d'Hydralisques de Life. Life qui continue sur une production complètement. Il est complètement all-in dans une certaine mesure sur B3. Hein. Ouais. Il n'y a pas un drone de trop. Il n'y a pas de queen supplémentaire. Ouais. Il n'y a pas de creep spread. Il y a 3 queens qui injectent et des Hydras qui sont produits. C'est parti. Life qui va fighter contre l'armée du joueur Protoss qui va arriver sur le flanc ouest, est-ce qu'il peut le faire ? Ah, c'est magnifique, il n'y a pas du grade aussi, vous remarquerez. C'est vraiment du full Hydra avec quelques Zerglings. C'est vraiment bien fait. Attention ici, on essaie de remonter pour Trap, on a des bons force field. Mais bon, 19 en valeur d'armée. Très très bon call de Life qui va s'imposer, qui va se qualifier en GSL. GG, c'était super dur pour Life. Hein. Ouais. C'était très 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 dur, mais il l'a fait. Et je pense que c'était très dur d'ailleurs pour un. Parce qu'il a. Pour un côté où il est très lisible, c'est qu'il aime beaucoup Triple H avant poule. Mais après, c'est vrai qu'en termes de registre, de stratégie, voilà quoi. On sent que le mec, quand même, Si Life était un historien, les amis, il pourrait vous raconter l'histoire des Mérovingiens comme la préhistoire, comme le 18e siècle, de la même manière. C'est assez incroyable de voir la palette de stratégie qu'il a en main, quoi. Ouais, c'est, il a montré, rien tout. Que là, il a montré pas mal de choses. Mais ouais, c'est. Vraiment bien joué. Et bien joué à Trap, évidemment. Parce que Trap, on va pas le retrouver pour la GSL, hein. Mais il était méritant parce qu'un mec qui perd 2-3 contre Live, de mon point de vue, c'est quand même un mec qui a sa place hein, dans une compétition comme ça. Ah, il est triste quand même. Hein. Ouais. Il est triste ici, on peut le comprendre, il n'est pas passé loin. Il n'est pas passé loin, mais vous le retrouverez en Pro League et en Star League probablement parce qu'il en a le level, bien sûr. Mais Life, vous l'avez compris, le prodige de chez KT Rollster qui se qualifie. Et du coup fait qu'on a avec plaisir 2€ de plus. Merci pour cette soirée. Merci à toi, YKRZ. Charles Trenet, non mais ça va, on te fait même passer des tweets en live. Putain, le parasite dans la régie qui branle rien là. Non, tout à l'heure c'est lui qui a déplacé le bandeau sans le vouloir. Voilà, ouais. Pour la petite histoire. Bon, on lui avait demandé, hein, mais enfin. Ouais, oui. Mais mauvaise interprétation. Non, carrément. Du coup, on a qualifié toutes les races, si je ne m'abuse pas. C'est ça, c'est ça. Protoss en terrain d'Inzerg. Exactement, d'ailleurs, on peut s'amuser à refaire le point. Le dernier joueur qui a été qualifié, vous avez pu le voir, c'était Life, face du coup à Trap. Ça n'a pas été. D'ailleurs, ça a été vraiment. Bon, tu me dis, on l'a déjà dit 3 fois, donc on s'en fout. Ensuite, on a eu Bibiong versus Super, et c'est Bibiong qui est passé. Super qui s'est fait un peu malmener, même si dans le fond, quand on regarde le BO, c'était quand même assez. Bon, il y avait un peu de teneur. Et enfin, Trust versus Jack J. Alors là, par contre,
Jack G qui a pris la sévère déculottée, hein, qui a pris une petite leçon de réalisme en lui disant bah au fait les CC first tu oublies parce que sinon tu perds en 5 minutes. Et puis une fois que tu joues plus CC first, de toute façon je suis toujours meilleur que toi, donc voilà. Mais au passage, vraiment, je vous conseille les stratégies de trust. Je les ai trouvées très. Si vous jouez contre des potes qui aiment bien partir en CC first et que vous jouez Protoss, vraiment rematez sur SC2 Pro League. Ces builds sont vraiment sympas, gaming, surtout le build. SC2 Pro Gaming. Ah oui, merde, j'ai dit Pro League. Au début de la soirée. J'ai dit de la merde, possible. C'est SC2 Pro Gaming. Mais surtout, celle où on a un peu phasé d'ailleurs, même à la pause, où il prend un gaz vraiment tôt et ça accélère pas grand-chose, qui est, ça se trouve, juste un gaz pour que quand tu scoutes, en fait, tu te dises pas que ça part Stargate parce qu'il n'y a qu'un gaz. Il part Nexus, ce coquin. Voilà, il y a vraiment des strats comme ça qui sont donc vraiment, si vous êtes joueur Protoss, je vous conseille très fortement de revoir les games de Trust. Je trouve vraiment qu'il y avait une belle intelligence de jeu pour foirer du Terran plus rapidement, plus en 10 minutes. C'est rapide. Il a très très bien fait, très très bien joué le bon Trust. Et du coup, on le retrouvera en GSL et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà pour la soirée. Je vous propose qu'on rende l'antenne là-dessus. Tout à fait. Merci d'avoir été si nombreux ce soir. On vous fait de gros bisous et puis, bonne fin de week-end, bonne fin de dimanche et on se retrouve toute la semaine prochaine. A tout de suite. Ayo, Ken. Bien sûr. Bisous tout le monde. Merci à vous.